être beaucoup moins calme. Mais franchement, ça fait du bien. Hop, j'escalade un petit peu. Voilà. Ça fait vraiment du bien. Je trouve que c'est un super endroit et je m'y sens super bien. Surtout quand il n'y a personne. Et là, ça va être autre chose dans quelques heures. Alors, ce matin, il a plu. Je ne sais pas si ça va se tenir. Normalement, ça devrait se dégager. Ils annoncent encore des températures supérieures à 30 degrés cet après-midi. Donc, à mon avis, il y aura encore beaucoup de monde cet après-midi. Voilà. Donc, je vous filme ça tout à l'heure. Donc nous revoilà l'après-midi et voilà. Voilà pourquoi je viens le matin. Parce que c'est que ça. Je vais essayer de vous filmer s'il y en a, parce que là ça commence à se calmer. Il y a des coups de bourre, de canoë. Des fois ça fait vraiment des, plus que des bouchons. Nous sommes lundi 28 août, il est pas loin de 11h, donc là vous pouvez le voir pour les canoës, franchement il n'y a personne, c'est beaucoup plus calme, même en baigneur, franchement voilà, il y a vraiment plus grand monde,
Nous, on va remonter jeudi. Et voilà, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, les canoës, c'est une véritable galère. Je comprends pas les loueurs de canoës qui laissent leurs clients dans cette merde-là. Là, vous avez eu vraiment un échantillon parce que c'était vraiment calme. Mais quand c'est la période du 15 août et des grands week-ends comme ça, je peux vous dire, c'est. Voilà. Enfin, moi, je trouve ça dégueulasse d'empocher du pognon et de laisser. Mettre personne pour les aider, ils comptent que sur les touristes pour aider les canoës à cet endroit-là. Vous allez un peu plus haut, il y a même des postes de secours, mais ici il y a un poste de secours, mais sur la zone de baignade, il est complètement derrière. Et ici, voilà, nous on a vu des gens dans l'eau se prendre des canoës en pleine tête. Enfin, voilà, c'était vraiment un petit peu n'importe quoi. Enfin, c'est vraiment un peu n'importe quoi. Mais bon, c'est comme ça. Là, ça s'est vraiment bien calmé, ça fait du bien. Et du coup, nous, on remonte jeudi, on reprend la route en plusieurs fois, au moins une nuit sur la route. On va pas remonter un week-end pour éviter d'avoir trop de monde sur la route. Donc toujours lundi 28 août, il fait 37, plus de 37 degrés. Et donc là vous avez voilà comment c'est quand il y a un petit peu de monde. Et encore c'est pas le 15 août. Donc mardi 29 août, c'est le jour de marché, donc je vous emmène avec moi. Donc, je me suis fait une petite installe que voici au poignet avec la GoPro. Et je vais vous filmer tout ça avec la GoPro, ce sera peut-être plus pratique et en même temps ça va faire un test. Donc, dans les commentaires, vous pourrez me dire ce que vous en pensez de ce système.
Donc voilà, mercredi 30 août. Les vacances c'est fini, on repart demain et en plus sans rancune parce que demain il prévoit des orages. Donc des fortes baisses de température. Donc ça, voilà. On aura bien profité du beau temps. J'ai eu l'information officielle comme quoi ce parking allait devenir payant et avec moitié moins de place. Donc l'année prochaine, ce sera vraiment une grosse galère. Si vous voulez venir au Pont d'Arc en voiture, déjà il faudra payer. Et en plus, il faudra arriver de bonne heure si vous voulez une place. Donc voilà, les travaux ont lieu cet hiver et dès l'été prochain, ce sera payant. Donc là, en attendant, nous, on attend la navette. Et voilà, on va clôturer cette vidéo. Je vais vous refaire quelques prises de vue en quittant l'Ardèche. Donc voilà, on va quitter l'Ardèche. On vient de faire 90 km en 2 heures sans s'arrêter. Là, c'est le premier arrêt. Et voilà, il fait 14 degrés dehors. On a perdu 20 degrés en 24 heures. Là, il fait super frais. Mais voilà, c'est le retour. Voilà, 19h, on vient de rentrer, donc 10 heures de route, sachant qu'on s'est arrêté en tout peut-être une heure et demie pour manger, les pauses pipi et un café. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, elle est longue, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu, et voilà, et je vous laisse avec cette dernière prise de vue.